une fin là par masse. Ah, je brûle. Delicious. Got some zest. J'ai pas assez de sous pour le shop du coup. Anything been happening down in your fancy house lately? Well, you mentioned Orpheus. My father had him locked up for a little while for refusing to sing, being court musician and all. But he's out now and doing okay, I think. Not following instructions, huh? Sounds like Orpheus, all right. Well, if that's the most exciting thing you've got going on, then I haven't missed much being out here. You got it. Oh, that's good. Safe travels. My favorite power couple. Senses sharpen. Allez. Let's fish. J'ai réussi. Crustisson. La carapace renforcée et ineffugée du crustisson le rend parfaitement apte à survivre, voire même à s'épanouir dans le fleuve enflammé zébrant les prairies de l'Asphodèle. Mon premier poisson! Thank you.
see. Je prends le pognon, bébé. Et il y a un coffre. It's him. Ah, Thanos. Thanatos, pardon. How's that been working out for you thus far? I'm searching for my mother. You still live at home with yours. You don't know what it's like. Mother Nyx was like a mother to you too, and this is how you repay her. You should be ashamed of yourself and learn your place. Wait, ah, mais j'arrive pas à renvoyer les coups à temps. Okay. Il est plus là? Il est invisible. Zagreus, you think handing this to me makes up for everything you've put us through? It's just something I found out there that I thought you might like, Than. Don't think anything of it. You seemed a little winded there, no? Not even close to the surface yet, either. Thanks for the vote of confidence there, Than. Il est même plus là! You're very welcome. Now I better get back before Lord Hades catches on to this. Joli petit bug qui fait que je parlais à un fantôme. Those troops are not for you. Attends, Noctali, je peux pas là. Voilà. Voilà une petite gratouille. Voilà. Voilà. Allez, maintenant tu descends. Allez. Though the boatman Charon, thankfully, is proving of some help. Je crois que c'est nouveau, alors s'il existe une personne capable de combler l'abîme entre mon maître et les dieux de l'Olympe, alors ce ne peut être qu'elle. Toutefois, même avec toute sa sagesse, je doute qu'elle réussisse à faire fléchir quelqu'un d'aussi opiniâtre que le maître. Wishes.
bébé. J'ai essayé de renvoyer les dégâts. Oh merde! Ah, c'est dommage d'avoir perdu un résurrection. Enfin, une résurrection. Si dommage, Bibi. That's what the outside world is like. Meeting you. I understand you've been in contact with my father. Your Uncle Zeus, I mean. He's taken interest in your plight. You should feel honored. J'aime pas ces sphères à papillons, c'est trop chiant.
qui fait mon bibi. Oh, il y a un petit coffre. Il n'y a qu'une seule sortie. Il n'y a qu'une seule sortie. C'est pour récupérer des gemmes. Allez. Come, heroes of Elysium, and vanquish the intruder. Je vais aller loin avec ça. Et en plus, j'ai 8 points de vie. C'était tout à fait worth it. Absolument pas. Please, left some food. Merci. Enfin, please, leave some food, pas left. Oh bébé, attention, préviens quand tu t'écoutes, quand tu t'échoues sur la manette. Oh merde. You to a battle of strength and glory, because apparently that's all there is to do for fun around here for those such as yourself. That. Yes. Essentially, that is correct. Prepare. Zut, j'ai même pas eu le temps de réagir. Re-Iva. Oh mais c'est pas vrai.
Asterius. Il en était ainsi jusqu'à ce qu'un jeune héros du nom de Thésée entra volontairement dans le labyrinthe et terrassa le monstre qui, dans ce qui fut, au dire du plus grand nombre, un combat spectaculaire. Un récit certes célèbre, mais le retrouvaille dans la mort mérite également d'être conté. On raconte que Thésée y retrouva le Minotaure, dont l'âme errait fébrilement aux confins des enfers, et qu'il eut pitié de lui, mais je pense que la vérité est plus complexe que cela. I'll try to help however much I can. Je le trouverai pas à temps, mais j'aurais bien aimé trouver Pétrocle ou Pétroclès, ou je sais jamais comment faut le prononcer, mais je crois que je l'aurais pas de la run. J'aurais bien aimé le trouver pour restaurer mes trompe-la-mort. C'est nouveau, je prends un bébé. T'as mangé quoi? Faudrait que je goûte une bonne polenta parce que j'ai jamais vraiment eu l'impression d'aimer ça. Un bébé. Tué par les mini-chars, mais non! Bébé! Les mini-chars! Just have to try again. Mais oui, c'est des mini-chars qui miaulent en plus! Do you understand how little sense that makes? I'm just saying, maybe if you just, I don't know, had all the mortals die at the same time, it'd save you a bunch of trips, and we'd have more time to spend together, huh? I don't know why I bother with you, honestly. Get back to work, and let me do the same. Oh. What did I tell you, boy? Ever wasteful of your time and mine? How fares my underworld, hmm? I don't know how you can stand it. Well, at least some things are running smoothly still. Next you go to die again, do give the tortured souls out there my warm regards. J'ai presque assez pour le pillage supérieur. Hey Orpheus, you know about the time I vanquished 7 legions of bloodless warriors with both hands tied behind my back while hopping on one foot? Lord Poseidon dared me to do it, you know.
Why, that is a spectacularly vivid tale, Zagreus, and most deserving to be chronicled in song. Would that there were a poet here still willing to commit such deeds to verse. Would that there were, mate. The head chef is going to want this fish. Why don't you go get out of here if you despise this place so much? J'essaye. Here's all I caught. Wow, trois clés. The ancient casks of wine hidden within the recesses of the house of Lord Hades. Few have tasted the intoxicating vintage they contain, and fewer still are permitted anywhere near their vicinity. Still waiting for the festive occasion when we'll open one of these. Nyx, sometimes I get the impression the Olympians look down on those of us born of the underworld. Is that my imagination, or what do you mean? The gods of Mount Olympus tend to think themselves above us, child. Or so your father often likes to say. He alone was relegated to this realm, and grew resentful of his relatives on high. I can't imagine him otherwise. Dusa! Oh hey, you brought some fish! Throw it all the way from down the hall, that's great! The head chef can take it off your hands. Should be right in the back of the lounge like always. Thanks for helping us out, Prince! Sure. Pourquoi ils ont toujours un téton qui dépasse pour qu'ils puissent se défier à pincer téton plus facilement? J'aime beaucoup. Vous savez quoi? Je vais respect encore un coup. Je suis pas satisfait. Alors. Refus de la mort, ça c'est sûr. Le dash en plus, ça c'est sûr. Plus de thunes et plus de peau dure parce que... Ok. Ouais, c'est pour ça que je l'ai repris, ouais. Alors. Voilà. My power grows. Baby. Skelly. Il est bientôt 20h. Ouais, j'ai plus de sang. Bon allez, on se fait une petite run arc et je mange après. Fool, I'm ashamed to call my brother. He can shake the earth up there all he pleases. He is unwelcome here. Qu'est-ce qu'il a dit, bébé? We gods are all alike. I gotta hand it to
you're saying. You don't back down. You don't ever back down. What is this, like the 20th time that you've attempted to escape? Plus, je crois. Feeling good. There. Bien que très différent des autres dieux à cet égard, il garde néanmoins une certaine distance avec les enfers, coupant généralement tout lien qu'il a pu tisser avec ses disciples au moment de leur mort. Pourquoi se soucier des malheurs des défunts alors que vous pouvez vivre dans le plaisir éternel? Ah, et la lance! Toutefois, il y a quelque chose dans cette Varata qui me trouble. Alors que je la transportais, j'ai eu la sensation qu'elle m'avait jadis appartenu. Cela peut sembler absurde et pourtant son toucher me fait familier, comme s'il s'agissait là d'une vieille connaissance. Une pensée qui ne mérite peut-être pas que l'on s'y attarde, mais je me demandais alors si certains aspects de cette arme ne dépassaient tout simplement pas mon entendement. Bébé. Come and get it. T'es belle, mon bébé. Là, le choix a été assez facile à faire. Mais j'avoue que j'ai hésité un petit peu quand même. A little fine-tuning. Daedalus power.
Oups. Bullseye in my sleep, but you'll be right there with me if I don't keep practicing, I think. Le seigneur Hadès et la dame Artemis partagent certains traits de caractère, je suppose, comme la solitude et le dévouement à leur office. Si seulement mon seigneur Hadès comprenait qu'il pourrait se confier à quelqu'un comme Artemis plutôt que d'entretenir cette rancœur à l'égard des autres dieux de l'Olympe. Oui. I understand that hunting goddess Artemis recently has turned her gaze towards you. It is unexpected she would offer her assistance, even to a relative in need. J'irai pas jusque là, mais... Zut.
wretches, take him now. Pas de nectar ce coup-ci avec. C'est quand tu veux, Eva. Bonjour. Ah. Oui. Oui. J'ai fait un bonjour très aigu, j'ai pas l'impression qu'on m'a entendu. Si, mais sur Discord, t'as pas entendu ma réaction, ah. j'ai fait... Ah d'accord. Mais j'essaye de le faire plus fort, mais c'est dur à faire. D'accord. Parce que j'en avais marre des bonjour, donc j'ai fait autre chose. Attends, par contre, tu exploses les oreilles des gens. Désolée. Vas-y, parle. Oui, merci Nema, je sais que je suis super forte. Je vais te baisser encore un chouïa et ce sera bon. Bonjour. Vas-y, c'est bon, parle. Est-ce que c'est mieux? Je réajuste, mais c'est pas mal, ouais. Ok. Du coup, bonjour, moi c'est Eva... Oula. Il va la postière. Ouais. Sous la pluie. Dans le froid. J'aime pas quand il fait froid comme ça. Mais quand je suis sur mon vélo, je suis super contente en fait. Pourquoi? Je sais pas. Bah ce matin en fait, j'étais saoulée parce que j'avais un début de tournée qui était hyper fat et en fait c'est pas très équilibré. Mon début de tournée il était hyper fat. Et le reste, ça allait tranquillou. Et dès que j'ai commencé à pédaler, je me suis mis à sourire comme une andouille. Je me suis dit, bah en fait, c'est trop bien, j'adore ce que je fais. Mais c'est cool! Ouais. Tant mieux! Ouais. Je suis content. Je suis qu'en intérim, mais je trouve que c'est un chouette boulot. J'aimerais bien qu'ils me gardent un peu plus longtemps. Bah, ce serait cool, ouais. Je pense que t'as peut-être moyen de commencer à leur en parler. Ce serait pas... Je pense que ce serait pas un mauvais plan que tu commences à négocier ça avec eux. Moi je suis très forte pour marcher dans les projectiles. En fait je suis en remplacement de quelqu'un qui fait une tournée en ce moment donc je sais pas combien de temps ça va durer. Et avant j'étais sur une autre tournée mais depuis que la personne qui faisait la tournée est revenue, ils m'ont mis sur une autre. Et je l'aime bien cette tournée. Voilà. Et après, je sais pas s'ils sont déjà en une équipe complète et qu'ils prennent des intérimaires de temps en temps ou s'ils sont ouverts au recrutement. Je sais pas. Bah, c'est pour ça, je dis. Ouais. Touche-leur-en un mot et tu verras bien. Tu pourras tâter le terrain un peu comme ça. Moi, j'aimerais bien avoir un CDD. Très bien pour enfin histoire d'être un peu plus confortable quoi. Ouais bah oui normal. Une situation un peu plus confortable. Parce que moi le but à terme quand même c'est d'avoir un petit chez moi quoi. Bah oui. Comme ça je pourrais vivre avec j'essaierai d'habiter en ville avec la fibre. Je commence déjà à me faire une liste de trucs que je veux avoir quand j'aurai mon propre chez moi. Mais ouais, moi je dis, commence à leur en parler, pourquoi pas, ça leur fera peut-être. Ça les fera peut-être réfléchir.
Du coup, ce soir, t'as proposé un voc aux gens pour la pluie d'étoiles filantes, mais après, tu comptes faire quelque chose en plus? Je sais pas, ça dépendra de combien de temps la pluie d'étoiles filantes durera. Alors. Moi, j'avais proposé un Scribblio à la rigueur, mais si juste proposer, c'est pas obligé. Oui. Si vous voulez pas ou si vous avez pas le temps, y a pas de souci. Après C'est juste tout, pour, ouais. les destinations pour le commun des mortels sont limitées. Les pires sont envoyés dans le Tartare, les meilleurs dans l'Élysée, tous les autres finissent ici. L'Asphodèle est la région la plus vaste des enfers, semblable par bien des aspects aux vastes plaines de la surface, si l'on fait ab abstraction de Phlégéton, le fleuve aux flammes éternelles. Phlégéton, je sais pas. Voilà. Donc ouais, bah ça dépendra. Je sais pas du tout combien de temps les gens vont vouloir rester pour la pluie d'étoiles filantes. Donc aucune idée. Je saurais pas trop te dire. Puis faut aussi que je mange. Mais bon, à la limite, Oui. je peux jouer et manger en vocal. C'est pas Ouais, sur mais y a rien Discord, qui presse. Y a... ça. Sur Discord, c'est pas trop gênant. Ouais, y a rien qui presse. C'est juste savoir comment est-ce que je m'organise ce soir en fait. Parce que si vous voulez pas, si vous voulez pas Voc ou quoi que ce soit ou je sais pas quoi, je me démarre la PS4 pour la soirée sinon. Ça Ben, dépendra. j'ai l'impression qu'Alice était plutôt ok. Nemea, elle avait l'air aussi plutôt ok. Enfin, si c'est toujours d'actualité, vu que c'est pas en stream, c'est juste entre nous. Donc, je crois que t'avais dit que ça t'intéressait, Nemea. Et puis, il y aura Chat et Alice en même temps, du coup, j'imagine, vu qu'ils sont dans le même, au même endroit. Ah, il y a un poisson quelque part. Oui, le poisson. Alors attention. Y a des poissons dans la lave. Oui. J'ai pêché une magmasse. Stylé. Alors. Je crois qu'on peut faire de la plongée aussi comme dans Animal Crossing. Le phlégéton ne se situe pas bien haut sur la liste des. Sur ma liste d'endroits où j'aimerais passer l'éternité si le choix m'était donné. Toutefois, cela ne semble pas être l'avis de la magmasse qui, au contraire, y paraît aussi heureuse qu'un poisson dans l'eau. Non mais voilà, il manquait juste la pêche, le jeu il est parfait. Mais t'as pas les fossiles, t'as pas Tibou, t'as pas de prince, sinon. Bah je suis mon propre Tibou avec le journal. Donc ouais, Nemea, elle a dit elle passera sûrement, donc t'as des petites saletés dans les poils, bébé. Oh putain, ils vont jusque là! Pas de soucis, à plus tard dans la soirée, Néméa. Bon bye. Moi, je finis cette run et puis je vais manger.
Ah, castagneurs. Dans un monde juste, ils seraient condamnés au tartare pour l'éternité, mais leur sauvagerie est telle qu'elle attire l'attention d'Hadès, qui leur accorde un sursis dans l'Asphodèle, où ils font régner l'autorité du maître des lieux. Alors, les enfers sont un endroit où règne l'ordre, mais les âmes des morts doivent d'abord y être conduites, une tâche non des moindres. Il semble être attiré les bonnes grâces du nocher, ou du nocher, je sais jamais, Charon, connu pour être inaccessible même par ses pères des enfers. Ainsi, tout porte à croire qu'Hermès, outre ses nombreux talents, est le dieu de bien plus qu'il n'y paraît. Toi, t'as un dieu préféré dans les dieux grecs. J'étais très fan de mythologie quand j'étais au collège, mais maintenant, ça m'a un peu passé. Et toi? Bah moi c'est pareil, quand j'étais plus jeune, je voulais devenir archéologiste parce que je voulais explorer des endroits qui faisaient un peu rêver, comme des pyramides. Je voulais découvrir des nouveaux tombeaux, des trucs comme ça. Mais quand j'ai réalisé qu'en fait l'Égypte maintenant c'est juste une destination touristique et qu'il n'y a plus grand chose à y faire, bah ça m'a vachement refroidi. Du coup, je suis partie vers le Japon. Mais j'ai toujours beaucoup aimé la mythologie grecque et égyptienne. C'est mes deux préférés. Et je sais pas si j'ai des dieux préférés parce qu'ils ont chacun leurs bons points et leurs points faibles, mais je suis vachement intéressée par les deux mythologies grecques et égyptiennes. J'aimais beaucoup, j'ai toujours aimé en fait les religions polythéistes. T'as encore un peu dedans, ça t'intéresse toujours un peu quand même? J'ai plus mes bouquins, comme je t'ai peut-être déjà raconté une fois, on a déménagé en catastrophe. Ouais, tu m'avais dit, ouais. Donc du coup, j'ai plus mes bouquins, j'ai plus mes machins, mais j'avais des petits trucs sur les dieux, ouais. C'est con parce que j'ai un... Ouais, mais après tu m'as dit que t'aimes pas trop lire non plus. Parce que je connais une série de mangas qui est vachement sympa. Bah les mangas ça va, parce qu'il y a des images en fait. C'est vraiment les lectures sérieuses où j'ai du mal à lire. Parce qu'il y a un manga qui est vachement sympa, ça s'appelle Save Me Pity. C'est vraiment en plein dans la mythologie grecque et c'est bourré d'humour en fait. D'accord. Si un jour j'arrive à venir chez toi, je te les emmènerai. Ouais. Peut-être que ça peut t'intéresser. Moi, dans un genre décalé, j'aime beaucoup les vacances de Jésus et Bouddha. C'est vachement bien. J'avais lu tome 1 quand j'étais au collège. C'était complètement pété. Je me souviens, t'avais Bouddha dans le métro. Les gens, ils prenaient ses lobes d'oreilles pour des renforts. Ils s'accrochaient pendant que c'était les poignets. Ou alors ils appuyaient sur le bouton rouge qu'il y a sur le front en pensant que c'était le bouton pour faire arrêter le véhicule. Oui. Mais du coup j'ai jamais lu la fin parce que j'ai plus mes tomes que j'avais à l'époque, parce que j'avais pas mal de tomes à l'époque. Mais c'est vraiment très 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 sympa, la vie de Jésus et Bouddha, c'est vachement sympa comme truc, vachement humoristique, c'est tout comme j'aime. Mais les mangas, le dernier tome, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, je crois.
Les mangas, j'ai beaucoup plus de facilité à les lire les livres. En fait, c'est vraiment les livres, les romans, à proprement parler, les textes où il y a les textes où il n'y a pas d'image, où il y a très peu d'illustrations. Ça me demande beaucoup d'efforts parce qu'en fait, j'imagine tout ce qui se passe. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à me focus sur l'histoire. Et très souvent, je suis obligée de relire tout ce qui s'est dit parce que j'étais occupée à imaginer des scènes. Et du coup, j'oublie ce que les personnages viennent de dire ou de faire. Donc c'est assez bizarre, je sais pas trop l'expliquer. Bah, je comprends, t'en fais pas, c'est clair. Bibi chat. Bébé. Glad you're still in one piece. I guess this means you must have paid. Bon, ce soir, normalement, si tout se passe bien, je devrais pouvoir débloquer Troyenne. Nice. Et après, il n'y aura plus que Uno à faire. Moi aussi, j'ai fait Uno en dernier. C'est le skin, il demande des damas, je crois. 5. Ouais, bah je vais mettre 5 damas de côté alors. T'as aussi les compos pour Uno de près? Faut que je farme. Non, enfin, mais je veux dire, pas les compos, mais t'as aussi les armes. Ouais, c'est j'ai juste le farm à faire et une cape les armes en fait. D'accord, bah ça va du coup. Et après tu vas faire quoi dans les prochaines Guild Wars? Bah je vais fermer des armes et mettre de côté pour quand je serai déter à faire mes zones cap. D'accord. Parce que là faut que je fasse 5 étoiles. Ouais. Même si je sais toujours pas si je vais le mettre dans ma team dark parce qu'il y a trop de perso dark intéressants. Mais oui, il y a énormément de choix possibles. Autant en light tu vas faire une team des teams bien précises. Par exemple, moi ma team Toyenne, Jeanne et Lucio elle est assez solide comme ça. Autant si t'as besoin de faire des dégâts très spéciaux, tu peux faire une team qui combine bien avec Noah et Io. Mais en dark, t'as tout qui peut aller avec tout, donc. En fait, c'est selon les circonstances. Mais... Parce que j'ai fait Nier, mais en fait, il y a deux façons, il y a 3000 façons d'utiliser, j'en ai marre. Parce que moi, j'aime bien sacrifier un perso d'abord pour la faire venir ensuite, parce qu'elle peut résoudre tout le monde ensuite. Mais sinon, c'est chiant. Si tu veux faire max de dégâts dès le début, en fait, faut sacrifier Nier tour 1. Et si tu veux utiliser sur la longue, faut la mettre en sub. Oh merde. Ok, pas de soucis.
les gens, viendez. Alors, on va prendre de quoi améliorer l'arme. Baby. Elle est trop chiante, la boule à papillon. Il est dans le mur, j'arrive pas à le toucher. J'ai même pas regardé ce que ça faisait, j'ai juste vu nouveau machin, je fais ok, c'est nouveau, je prends. Parce que t'as des prophéties et t'as des récompenses quand t'as récupéré tous les trucs d'une prophétie. Du coup, quand il y a marqué nouveau, en général, je prends ça en priorité pour faire progresser justement la liste. Ça va mieux les chats? Hein? Ça va mieux les chats? Ouais, y'a rien de nouveau. Enfin, si, si aujourd'hui j'ai emmené Lucifer au vétérinaire pour faire ses vaccins. Ah, c'est bien. Et maintenant on a un petit carnet de santé. Moi, faute d'argent, j'ai pas pu refaire vacciner mes chats, donc là, les trois sont vaccinless. Mais bon, comme ils sortent pas, c'est pas trop grave, je me dis. Allez, je cherche la merde avec Hades. Comme d'hab. Voilà, ça c'est fait. Je savais que j'allais mourir.
hanging in there, yeah? Zack, man, I was just attempting here to get our good friend Artemis to finally make an appearance at one of my feasts. It's just, wouldn't you know, she's all preoccupied. Something about a hunt. That's right, Lord Dionysus, a hunt which requires lots and lots of total quiet. Est-ce que je vais avoir un duo? Clear-minded focus. So if you'll excuse me. Wouh! Petit duo. Cheers, you two. Hit the spot. Nice. Oh oui! Oh oui, je vais trouver le gars qui va me rendre tous mes trucs de défi à mort. Oh oui! J'ai pas de nectar à lui offrir par contre, c'est dommage. Still toiling around within Elysium, I see. Battling my brethren. In the name of glory, is that it? I'm heading for the surface. Though your brethren are slowing me down. Whether for glory or at my father's behest. Your father? Ah, that's right. But you're the prince, aren't you? You must see plainly then what your birthright amounts to. You're no better off than any of us here. Now go. Thanks for this. Yes! J'ai toute ma vie de up! Et je vais soigneusement éviter le champion, donc on va pas aller voir Athéna. Je me défile. Bon alors tu re ou tu re pas, qu'est-ce que tu fais? Hein? Je te demande tu re ou tu re pas parce que t'arrêtes pas, j'ai l'impression de te mute et de te unmute. Non. Je l'ai fait qu'une fois. J'avais l'impression que ça faisait plus de fois. Parce que comme je suis pas sur l'écran Discord. Il y a 4 qui est Céleste chez lui. Oh nice! Il vient d'ouvrir son livre. Bah là je peux pas, mais Bah c'est chez lui la pluie d'étoiles filantes, non? Non, c'est chez moi. Ah! De toute façon, tu risques d'avoir Céleste chez toi aussi. Pas forcément. Ah. That's a relief. Pas forcément, non. Elle est pas forcément là quand il y a des pluies d'étoiles filantes. Il y a des chances pour, mais c'est pas obligatoire. Oh, une petite baston entre Dionysos et Athéna, c'est parti. Je finis ma run. Je viens squatter Sarah et Céleste. Et je mange en ouvrant mon île. Update. J'aime bien fâcher Dionysos, on va fâcher Dionysos, il est où?
standing there, man. So let's just avoid this type of little shake-up next time, yeah? On verra la prochaine fois. Je pensais qu'en les spammant j'arriverais à éviter leurs coups, mais non. Oh là là, j'ai pas récupéré toutes mes défis la mort pour les perdre bêtement. Ça suffit, un peu de concentration. Si tu veux raconter des petites histoires, Je n'ai rien à raconter en particulier, malheureusement. Bah, je vais raconter ce que j'ai fait de ma journée déjà. C'est pas mal. Putain, j'ai perdu 2 trucs de vie alors que je les avais tous récupérés, c'est honteux! Honte sur moi, honte sur ma famille, honte sur ma vache. Genre, mais meurs! Oh là là, 41 points de vie, mais quel échec! Sérieusement? Putain, j'ai perdu 3 de revive sur 4, sérieux, putain, je joue tellement mal. Oh, je suis deg. Putain, et c'est pas encore fini. Dis-toi que comme ça, enfin, voilà, voilà le bon côté des choses, au moins tu iras plus vite sur l'île, sur Animal Crossing. Oui, ça c'est sûr, mais ça me fait chier quoi, j'avais l'opportunité d'avoir des bons trucs et tout, et il y a tout, qui a foutu le camp. Putain! Fait mal au cul, hein.
Bibi. Allez, c'est l'heure de mourir sur le boss. C'est parti! Rematch. Well, Hellspawn, you stained my honor last we battled here. But as you plainly see, I have returned, as has Asterius. And we've no shortage of honor left to spare. J'aime tellement pas Thésée, mais j'ai envie de le frapper à chaque fois. On dirait un héros de comics américain. I'll be the champion of Elysium now that I've beaten you. Isn't there someone else around to challenge me? Say, Heracles? Someone less chatty? Very clever, fiend. Invoking Heracles' name in an attempt to drive me to a jealous rage. It shall not work, but you shall dearly pay nevertheless. Oh là là, je pense que le combat va pas durer trop longtemps. Voilà, refus de la mort. Bébé, je vois rien. Et c'est la mort. Oh oui, mon bébé. They wish to help you from this place, don't they? I just hope that their intentions are as pure as they appear. They don't get on well with your father. Neither do I, last time I checked. I'll take all the help I can get trying to break out of here. I'm pleased to hear you say that. I've known too many far too proud to accept help, even when it was sorely needed. You just be careful, lad. Cerberus is preoccupied with scratching and biting at himself. You take care. Circumstances call for more pets. I grew nauseous merely listening to this. So how did it go? How did you die ignobly this time, pray tell? Cerberus and I can't wait to hear the tale. In that case, I'll spare you the details. Fine. Your failure is quite easily imagined. How often it recurs. Almost as though my realm is built to keep you here. You and every single soul that's ever lived. But by all means, continue struggling. Après tout, le seigneur Hadès a depuis longtemps coupé tout lien avec sa famille sur l'Olympe et vit depuis une vie solitaire. Son fils est la seule chose qui le relie encore à sa famille, mais je crains que ce lien ne s'étiole. Orpheus, I saw Eurydice again. I couldn't bring myself to do exactly as you asked. I sort of mentioned you. You what? What I meant to say was, oh, did you perchance get the impression she yet harbors toward me feelings of resentment? You seem to be a bit of a sore subject, yes. What happened to the two of you, if I may ask? Oh, it's just,
I almost saved a soul from this domain back when I lived and breathed. But in the final moments of my rescue, my faith faltered. She is lost to me forever now. Though I'm pleased to hear she isn't lost to you. I'll have to get to the bottom of this later. I wonder where Nyx went. Ew. Why don't you go get out of here if you despise this place so much? Looks like Meg's the featured servant of the house. Leave me alone. Everything is spick and span, like always. J'aime trop Dusa. Elle est trop chou. Here's what I caught lately. Use them wisely, my friend. Can maybe use some rest. Can't believe yes fighting for me. J'ai récupéré assez de diamants, je vais pouvoir, enfin de diamants de gemmes, je vais pouvoir avoir plus de trucs dans les coffres spéciaux. Yes. I grant you funding and autonomy to do this job upon your earliest convenience, contractor. Keep it down. On peut encore aller plus loin. Let's go with this assignment, contractor. My father surely would approve. Il me reste 5 gemmes, je veux pas aller loin. Hey room, I'm back. The contractor's been plenty busy. Wouh, 4 diamants. On retourne voir le maître. À 213 prismes sur 250 à l'aide. This ought to help Orpheus keep his boundless libraries of music in order. Just have to fill it in. Oh my. Our court musician need not be so indulged. Bon, en fait, je crois que je vais me coucher après ça. Je vais peut-être faire un petit peu de PS4 dans mon lit pour trouver le sommeil et après j'irai dodo. Ok. Enfin, je finis de former mes 250 prismes, je fais Toyen et après voilà. Ouais. Ah, faut aussi que je donne cap aussi, merde. Il me faut des prismes encore pour le cap. Et ah oui. À l'aide. Sign me up, contractor. This ought to pay for itself in no time at all. Counted on resources you have not yet earned. New piece there. This one. I'm attempting to work here. J'aime bien la marquer musique de chambre créée et enregistrée par Orphée et Eurydice, sa muse. C'est mignon. Ça sert à quoi de s'allonger en fait? Ça fait progresser de l'histoire. Parce qu'en plus il doit bosser. C'était avant qu'il s'évade, ouais, je pense. Responsibility rejecting Zagreus strides down his father's hall, quite unconcerned about the urgency with which he is expected to behave under a set of circumstances such as this. Going as fast as I can, you hurry up. The door to the administrative chamber beckons just beyond the hall. The prince perchance believes that he may enter quietly, without drawing the notice of those laboring within. You better not give me away, old man. I suggest you hurry in there, lad. Talk later. Let's not keep your father waiting.
Ah, pourtant je me sens défait, amputé dans cet endroit, seul privé de celui avec qui j'ai partagé ma vie alors que nous étions encore de chair et de sang. Bien que lui aussi se trouve quelque part au sein de ce royaume, je crains que notre temps ensemble soit depuis longtemps révolu. Il parle de Patrocle, Patroclès, je sais pas comment faut le prononcer. Pas Patrocle ? Oui, Patrocle, voilà. When the prince simply signs in to signal the commencement of a shift. Oh, gods. Get on with your responsibilities. Security reports concerning failed escape attempts from Tartarus require timely verification and official response, neither of which Prince Zagreus is fit to give. That is not the often failing prince attempts to sort the ledgers in the fashion necessary for the proper keeping of his father's realm. Damn it. Incorrect. Records of expired house contractor renovations line a desk in the administrative chamber, though the prince has absolutely no desire now to organize them alphabetically by date. None whatsoever, yes. The hard laboring shades responsible for the administration of the prince's father's realm merely look on at the prince's ill-fated attempts. Oh, come on. A careful record must be kept of all expenses paid within the house. A delicately handled tabulation process, which the prince is ill-equipped to fully undertake. The relaxation-loving prince never paid suitably enough attention to learn properly how to arrange the record bookings of the regions of his father's realm. Doesn't make any sense. This set of delicate responsibilities is easily achieved, at least by someone capable and trained to do the work, unlike the oft-distracted underworld. Les petits trucs du scénario qui disent, qui insistent bien sur la nullité. Oui. Il n'en peut plus. At last, the work disliking prince records a summary of the results of his attempts to be of any use to the administrative needs of his grim father's house. Okay, I'm done. So, can I go yet, father? Not only were you late again, but then you also failed to perform even the simplest tasks that I had asked repeatedly that you complete. How many chances do you need at this? I am too lenient with you. Too lenient? Instead of lambasting me non-stop, have you considered maybe training me some more to do this fascinating work to your satisfaction? You'll forgive me if I didn't memorize every laborious detail the last time you performed your monologue about how all this works. Excuse me? If I'm not mistaken, you're deflecting your incompetence toward me? As though the goddess of wisdom herself has come to aid you in your time of need. I could replace you here and now with any number of simple shades hungry to work here. Then why don't you? I don't want any of this. I'm not the one who drew the short lot with your brothers and got stuck here forever. Why am I having to do this senseless parchment pushing for you? Why are you stuck? Ouais. I was wrong to think you were prepared to take on any responsibility at all. And don't you ever invoke your uncles here again, or I'll have you cast into the lowest pits of Tartarus. Now get out of my administration and my sight. Maintenant, au moins, je sais ce qu'il y a derrière cette porte. J'ai pas suivi, moi. Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte ? Bah, c'était d'où le service d'archives. C'est la porte qu'on trouve dans le hall principal. Mmh. Voilà, je rentre dans la pièce là pour que ça sauvegarde la progression. Voilà. Du coup, je peux m'arrêter là. Des bisous YouTube, des bisous à ceux qui regardent ça pour Hades. À bientôt, bye bye. Bye bye.